Goku. Salut tout le monde, bienvenue sur Saiyan Adventure. Aujourd'hui on se retrouve... Bon, derrière ça fait le con, donc voilà, fausagerie. Pour un nouveau déballage d'une figurine qui est pas toute neuve, hein. Donc Resolution of Soldier Volume 1, Son Goku. Donc c'est sorti il y a un an et demi, deux ans, hein, plus ou moins. Donc sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Alors moi c'est la dernière ROS qui me... C'est la seule qui me manquait, donc voilà, c'est... j'ai commencé par la fin, on va dire. Plus ou moins, hein. Alors... Sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Bon, comme d'hab, hein, voilà, un petit surcarton de protection. Hop, le super socle. T'as vu ça, geste technique. La figurine est en deux parties. Donc il y a le cocor et il y a la tête-tête. Par contre, le plastique, il a pris la dose. Hein. Il est tout écorché. J'espère que la figurine ne l'est pas, hein. Ça serait bête. On regardera après, mais... Petit bémol sur les cheveux déjà. Hein. On pourra comparer avec la tienne d'ailleurs, mon petit gros. Hein. Parce qu'évidemment, c'est ce qu'il a déjà. Hein. C'est ce qu'il a... Il l'a depuis qu'elle est sortie. Alors, le socle absolument dégueulasse des ROS. Hein. C'est le gros défaut de la gamme pour moi. Hein. C'est les socles. Alors, on met la tête. Oui, bonsoir. Voilà, comme ça. Ah, bah, j'étais juste avant en fait. Puis je me fais piquer par les cheveux, quoi. Je suis rentré d'un coup, un peu bizarre, non? Et voilà. On pose le bonhomme. Putain, les tiges, elles sont. C'est du costaud, hein. Voilà! Son Goku Resolution of Soldier, donc c'est pas une figurine qui est toute récente, pardon. J'ai acheté ça chez notre ami Grégory. Ça coûte 35 euros, il me semble, frais de port inclus. Donc elle est un petit peu plus chère parce que maintenant elle est un petit peu plus compliquée à trouver, étant donné qu'elle est sortie il y a longtemps, elle sort plus forcément des magasins. Alors je la découvre en même temps que vous. Alors pour ceux qui jouent à Dokkan, hein, Goku LR, c'est cette pose, hein, si jamais. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, bon, il y a. Ouais, je trouve que c'est un peu trop pétant. Après, il y a des jeux d'ombre, c'est plutôt propre. Le visage, il est vraiment stylé, il est bien énervé. Au niveau des cheveux, moi, je mettrais quand même un petit bémol. Là, on dirait que la peinture, elle est un peu partie en cacahuète. Mais bon, après, quand mon ami 16 qui viendra, il me dira son avis, on pourra même comparer avec la sienne. Mais les cheveux, je trouve qu'ils sont pas bien finis du tout, quoi. Il y a beaucoup d'espèces de petits tas de peinture comme ça, je suis pas fan du tout. De ce côté, non, mais là, ouais, il y a beaucoup. Après, le reste de la figurine est vraiment bien fait. Les bottes sont stylées, la pose est vraiment chouette. Même les mains sont bien faites. Enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette figurine. Je vais laisser tout de suite mon copain Cesc venir. Alors, sans plus attendre, regarde les cheveux de la tienne, là. Et regarde ceux de la mienne. Ah, ouais. Ouais, hein. Ouais, t'as des espèces de pâtés de peinture. Ouais, hein, c'est dégueulasse, hein, on est d'accord. Après, ouais. Je pense que pour le reste, c'est plus ou moins la même chose. Mais les cheveux, ils sont loupés sur la mienne. Ils sont vraiment loupés. On va voir. Vas-y, regarde. Tu vois, devant, là, on voit beaucoup. Je pense que les photos vidéo HD, faudra mettre les deux pour que les gens voient la différence. Exactement. Quoi. Ouais. Entre une qui a des défauts et l'autre qui en a pas, finalement. Parce que la tienne, elle n'a pas de... D'ailleurs, la tienne, elle est plus foncée. Bon, ce qui est bien, c'est que la mienne, on sait c'est laquelle. Hein. Voilà. Elle est toute poussiéreuse. Ouais, aussi. Voilà, mais la mienne a l'air un peu plus foncée. Hein. Ouais. Ouais. Grand suspense. Est-ce que ce serait pas un bootleg? Non, c'est pas un bootleg, non, quand même. Mais... Elle est loupée, la mienne, tout simplement. Elle est mal sortie de l'usine, quoi. Mais tu vois, toi, les ombres, c'est là, pas... et tout. C'est... Même sur les bras, regarde le bras. Le bras de la tienne. Il est beaucoup plus bronzé que le mien, ouais, ça. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre quand même, hein. Tu vois, puis même toi, le orange là, il est beaucoup plus foncé que le mien. C'est assez curieux quand même, hein. Ouais, non, mais bon, par contre, je pense pas que c'est un bootleg. Greg, t'es mort. Non, c'est juste une officielle loupée, quoi. Ouais, c'est une officielle loupée. Non, parce que ça reste. Voilà, t'as.
Non, Greg, il est fiable, c'est juste celle-là, elle est loupée. C'est les socles, c'est vrai, c'est que toi, t'as pas de chance au niveau des cheveux. Comme, elle a deux, trois défauts. Les cheveux sont loupés, clairement. Quand je vais faire une croix, sachez que c'est la mienne. Quelle horreur. Bon, à part ça, c'est une très belle figurine. Hein. Voilà. Puis alors, la mienne, elle est en mode moonwall que t'as eu. T'es comme elle part en avant. Ah ouais. Bah, moi aussi. Ah non. Pas autant. Ah ouais. C'est... Bah, mais elle est comme ça, ouais, c'est vrai que. Tu l'as mis en avant. Donc c'est vrai que si on regarde, même là, c'est moi il est plus droit. Ouais. Et toi il part en avant, il fait la danse de Michael et Jackson quoi. Exactement. Hein. Ouais. Elle est hyper penchée en avant la mienne. Ouais. Ouais. Bon à part ça, à part toutes ces différences qu'on trouve entre deux officiels, c'est quand même assez curieux. Ouais. Moi je trouve que c'est une très très belle figurine. Moi j'aime beaucoup. Déjà la gamme ROS. Ouais, c'était la première des ROS et voilà, je crois elle partait sur des nouvelles bases de qualité de figurines hein, parce qu'on sortait de. Des figurines plus simples, les sculptures là-haut, qui sont moins détaillées. Ça. Ouais. Mais ouais, je trouve que ça a balancé les nouvelles bases. Hein. Par exemple, tu prends les FES maintenant ou les Grandista. Ouais, ça c'est beau. Qui restent sur ce genre de figues hyper détaillées. C'est clair. Alors après, c'est la toute première ROS. Donc les dernières. Alors même la main est différente. Ouais, les dernières sont. T'as quand vu même, ouais. Les dernières sont quand même. C'est quand même un peu mieux, je trouve. Oui, bien sûr. La Trunks, elle est bien. Franchement, ouais, moi, c'est ma préférée. Même la Satan est hyper bien. La Satan, elle est ouf. Ah, ouais. Enfin, voilà, bon. Après, moi, j'aime beaucoup. C'est Goku, la carte LR, où il est tout énervé comme exactement. Ça. Puis c'est Son Goku. On en a pas beaucoup des figurines de Son Goku. Hein, voilà, hein. C'est 80% de nos figurines. Donc voilà. Ça nous manquait. Hein. Donc, petit rappel, c'est Grégory qui m'a vendu ça. C'est 35€ frais de port inclus. C'est un poil plus cher que les autres ROS parce que celle-là, maintenant, elle est un petit peu plus compliquée à trouver. On vous mettra dans la description le lien de sa page Facebook. D'ailleurs, en parlant de Facebook, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe où on parle de tout Dragon Ball. Hein. Il n'y a pas que les figurines, on parle de Dokkan, on parle des épisodes de DBS, on parle vraiment de tout. Et on a aussi une page Twitter, voilà, pour ceux qui sont un petit peu moins actifs, on l'avoue. Hein. Ouais. Mais ouais. On donne beaucoup d'amour partout. Exactement. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu, même si elle ne vous a pas plu, likez-la, ok ? Allez, plein de bisous. Salut.